cessé tes leçons. J'ai cessé tes leçons. J'ai cessé tes leçons. J'ai cessé tes leçons. Oh, lorsque j'étais perdu, à la croix et mon Dieu, c'était intéressant pour moi. Christ n'était pas mort, Christ n'était pas mort, Christ n'était pas mort. Oh, je serai Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, nous revenons dans Jean chapitre 1. Les trois premiers versets. Disons. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Dans Jean 16, 27, 28, il dit, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Prions, éternel Dieu, nous te
te bénissons, Père éternel. Car tout ce que tu fais est bon. C'était ta pensée. Ce monde était ta pensée. Nous étions ta pensée. Et nous avions été manifestés. C'était ta parole exprimée. Et nous y sommes sur terre. Pour ta gloire. Pour ton adoration. Pour ta louange. Seigneur Jésus. Je me place ici. Pas parce que je connais quelque chose. Je le connais. Rien, Seigneur. Il n'y a rien de bon en moi. S'il y a quelque chose de bon en moi, c'est Jésus-Christ. C'est le sang de l'agneau. C'est l'œuvre de la rédemption. Je bénis ton peuple. Je bénis ta présence au milieu de nous, Seigneur. Accorde ta miséricorde. C'est sous ton ordre, Père. Oh Jésus, oh Jésus Christo, que je me place du haut de cette chair. Seigneur Jésus, Nkolo Yesu, si qu'on se me lève, hein. Seigneur Jésus, Nkolo Yesu, je implore miséricorde sur chaque âme ce matin. Seigneur Jésus, s'il y a quelque chose qui empêcherait qu'une prière soit exaucée, je te prie d'enlever cela. Je te prie de pardonner les iniquités. Je te prie d'en doter tout ce qui pourrait être obstruction, obstacle, Seigneur. Lave-nous par ton sang, rien que ta grâce. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur. Je prends l'autorité. Je prends sous mon contrôle la principauté des ténèbres, la puissance qui ne peut pas dire amen à ta parole, ce qui est contraire à ta parole, ce qui est de l'enfer. Je le prends sous le contrôle du Saint-Esprit. Père éternel, manifeste ta gloire, manifeste ta présence au milieu de nous ce matin. Seigneur Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Bénis mon frère qui m'interprète. Fasse de lui un véritable interprète de ta parole. Bénis chaque âme, Seigneur. Je prie pour ceux qui seront là. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont présents. Même les bébés, même les enfants qui soient sous la couverture de ton sang, Jésus. Que la gloire te revienne à jamais. Que l'honneur te revienne à jamais. Ô éternel, car ta miséricorde il a toujours. Sois élevé de plus en plus. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de puissance comme toi. Si quelqu'un est venu ce matin avec une requête, permet qu'après la réunion, qu'il reparte avec une solution. Car dans la maison de mon Père, il y a tout ce qu'il y a. Tous les besoins, toutes les solutions sont dans la maison de mon Père. Père éternel, manifeste ta gloire. Que Satan puisse encore échouer. Qu'il puisse encore échouer. Seigneur, que tous ces projets d'échecs, de ruines, Père éternel, qu'il échoue encore. Que la victoire soit pour ton nom Jésus. Que la gloire soit pour ton nom Jésus. Et pour tous ceux qui t'adorent. Et pour chacun de nous. Je bénis le Saint-Esprit. Je bénis les saints anges. Je bénis ta présence au milieu de nous. Je bénis la lecture de ta parole, Seigneur. Oh, sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Père, la lettre tu, mais l'esprit vivifie. Seigneur Jésus, accorde-nous la parole et la puissance. Remplis-nous encore. Bénis-nous encore. Rends-nous encore humbles. Seigneur. Si nous avions parlé quelque chose qui avait offensé quelqu'un, pardonne-nous, Seigneur. Si nous avons mal pensé sur quelqu'un, pardonne-nous, Seigneur. Si nous avons déraillé notre langage, pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à parvenir à la perfection. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. En ton Saint-Nom Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, nous continuons à parler sur les attributs de Dieu. Troisième partie, les attributs de Dieu. Amen. Amen. Alors, vous avez compris quelque chose? Que la parole de la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
Amen. Amen. Oui, frère Dina Mouine, shalom. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Alors, maintenant, tout a été par elle. Amen. Amen. Oui, nous apportons les attributs de Dieu. Nous avions parlé comment d'abord c'était l'Éternel, après il était Elohim. De l'Elohim, il avait une pensée, il avait des grands attributs tels que Père, Fils, Saint-Esprit, Amen, tels que Dieu. Dieu aussi, c'est l'une de ses attributs. Dieu, c'est l'objet de l'adoration. Amen. Amen. Vous voyez qu'il a eu beaucoup des attributions. Et tout cela faisait Elohim. Amen. Amen. Alors, vous avez dit les attributs de Dieu. Vous voyez? Alors, maintenant nous abordons, nous allons enfoncer encore quelque chose dans les attributs de Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Et nous allons souligner ceci. Les attributs de Dieu. Amen. Amen. Perdu, qui était perdu par le péché, retournera à Dieu selon la décision de Dieu. Qu'est-ce qui était perdu par le péché? Dieu voyait, Dieu savait, mais Dieu avait résolu par un moyen de retourner dans son éternité, juste sa nature. Le mal, le péché, l'échec, la mort n'était pas la nature de Dieu. Mais Dieu a permis l'existence de ces choses. Dieu a permis l'existence de Satan. Dieu a créé Lucifer. Soyez prudents. Amen. Amen. Nous abordons des choses très importantes. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a créé Lucifer. Sœur Micheline. Lucifer était l'un des anges. Influent. Dieu l'a créé. Amen. Amen. Et vous allez vous poser des questions. Soyez là. Dieu a créé Lucifer. Dieu a permis l'arrivée du péché. C'est Dieu qui a permis l'arrivée du péché. Amen. Amen. Dieu savait qui serait Lucifer. Dieu savait quelle était sa pensée. Dieu savait tous les antécédents sur Lucifer. Dieu a permis son existence. Amen. Amen. Vous allez comprendre quelque chose. Quelque chose arrive. Parce que vous allez souligner avec vos plumes, amen, les éléments des circonstances que Dieu avait permis l'existence. Les éléments des circonstances que Dieu avait permis. Est-ce que vous me comprenez? Leur existence. C'était des éléments des circonstances. Simplement, si ces éléments-là n'étaient pas arrivés, si le mal n'était pas arrivé, tu n'allais pas savoir que le bien existe. S'il n'y avait pas les ténèbres, tu n'allais pas savoir que la lumière existe. Mais ce sont des éléments des circonstances de la créature. De la création de Dieu. Dieu a permis ces éléments pour apporter des enseignements, pour apporter la connaissance, pour apporter la lumière, pour faire la distinction entre le vrai et le faux billet. S'il n'y avait pas de faux billet, nous n'allions pas avoir la connaissance des vrais billets. Alors, il a été permis l'existence des faux billets pour faire la distinction, pour apporter une lumière, pour apporter une connaissance. Et après un moment donné, il y a une opération que nous appellerons l'éradication de tous les faux billets.
Après que nous avions connu leur existence, alors dans l'éternité, le faux n'existera plus. Mais le faux a existé pour un but, pour un objectif, pour ramener une révélation, pour ramener une lumière, pour ramener une connaissance, pour ramener l'homme à savoir, à connaître qui est son créateur. Je vais entendre un amen. Et je dis bien, les éléments des circonstances que Dieu avait permis l'existence, dont il devrait les supprimer après un temps, pour tout retourner au parfait. La source fut, il y a eu Lucifer, Dieu a permis son existence. Est-ce que nous disons amen? Alors, plus loin encore, après le commencement, Dieu va maintenant permettre créer la femme. Alors, la femme, nous l'appellerons la porte du péché. C'est par la femme que le péché est rentré. C'est par la femme que Dieu ramène la vie. Par la femme. Est-ce que je me fais comprendre? Au commencement, le premier commencement, il n'y avait pas la femme. Elle était un produit dans un produit créé originellement. Mais après le commencement, bien que Dieu avait fini à tout créer, quelques temps bien après, c'est là que Dieu vient pour créer la femme. Alors la femme est une perversion de la création originelle de Dieu, parce qu'elle a été tirée de l'homme. Je vais entendre un amen. Et nous avions compris après la révélation de la parole de Dieu, vous avez dit que la femme, est-ce que nous disons amen? Après la révélation, nous avions compris que la femme avait été créée pour tomber, pour que le diable puisse s'en servir d'elle. C'était ça le but de séduire. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu savait qu'elle tomberait. Dieu plaça des lois dans l'Éden. Ne touchez pas ça. Ne touchez pas ça. Ça vous pouvez, ça vous ne le pouvez pas. Amen. Amen. Mais Dieu savait qu'Adam tomberait. Dieu savait que l'arrivée de la femme, Adam tomberait. Dieu le savait. Mais parce que Dieu devait manifester ses attributions. Dans Dieu, nous avions dit, il était sauveur, il était guérisseur, il était ressusciteur. Mais s'il n'y avait pas de malades, qui Dieu allait guérir? S'il n'y avait pas de morts, qui Dieu allait ressusciter? S'il n'y avait pas telle chose, alors comment allons-nous savoir que Dieu guérit? Il fallait que ces choses arrivent pour que nous arrivions à savoir que Dieu guérit. Mais étant donné que l'homme était une pensée dans la pensée de Dieu, il ne pouvait pas connaître la valeur de son Dieu. Il ne pouvait pas connaître, amen, amen, toutes les valeurs que le Créateur avait. Il fallait faire manifester le sujet. Et pour que le sujet arrive à l'adorer. Et pour que le sujet parvienne à la connaissance de son Créateur. Parce que jusqu'alors, tant que tu n'as pas encore mis au monde les enfants, tes enfants marchent avec toi, mais ils ne te connaissent pas. Il faut qu'ils soient manifestés afin qu'ils sachent que l'autre papa se fâche. Il est bon, il est ceci, il est cela. Est-ce que nous disons amen? Nous comprenons quelque chose, qu'il n'y a pas eu de choses à critiquer dans ce que Dieu a créé. Est-ce que nous disons amen? Regardez l'image même de Dieu, c'était dans l'homme. Les Écritures même disent que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais il n'y a pas un ange, esprit qui était créé à l'image de Dieu. Et Abraham dit l'image de Dieu dans un homme, même un homme qui est dans le péché, c'est l'âme. Mais l'âme, c'est l'image de Dieu que Dieu plaça dans l'homme. Votre âme, l'animal n'a pas l'âme.
Les autres êtres n'ont pas âme. Mais Dieu plaça l'âme dans l'homme. Parce que l'homme était son ressemblant. Même pas un ange céleste. Même pas Gabriel. Même pas Michel. Est-ce que nous jouons avec? Même pas n'importe quel ange était à l'image de Dieu. Alors quand Dieu descend et il devient un corps de chair, cet homme doit devenir un super homme. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi vous allez voir que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et cette âme-là a péché. Il a perdu cette véritable image. Il a perdu cette véritable ressemblance. Il a fallu le plan de la rédemption, le plan de la restauration. Je vous avais dit, Dieu savait. Il le savait bien. Que l'agneau immolé de Dieu devait venir mourir pour et à la place des péchés. Pour sauver les pécheurs. C'était le plan parfait de Dieu. Mais il dit encore, malheur à celui-là. À qui le fils de l'homme serait une pierre d'enchaînement. Malheur à celui qui va le tuer. Malheur à Judas. Judas va en enfer. Mais c'était la volonté parfaite de Dieu qu'il soit crucifié à la croix. Alors tu peux encore souligner les éléments de la circonstance de la création. Et ces éléments-là seraient éradiqués après un temps. Il y a des âmes qui vivent, qui sont nées pour être condamnées. C'est la volonté parfaite. Je vais entendre un amen. Avant même qu'il soit question de la naissance d'Abel, de Caïn, d'Ésaü, Jacob, Dieu avait choisi un, Dieu avait rejeté un. C'était le plan parfait. Alors tu peux dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Judas, au moins, il a vendu Christ avec des pièces d'argent. Qu'est-ce que Ésaü a fait? Qu'est-ce que Caïn a fait? Il est né le fils de la perdition. Dieu n'a pas échoué. C'est les hommes qui pensent que Dieu a échoué. Mais Dieu n'a pas échoué. Tout ce qu'il fait est parfait. Tu peux appeler quelqu'un frère. Tu ne sais pas qui il est. Il est né pour la condamnation. Il est né pour aller au ciel. Vous le reconnaîtrez par leur fruit. Je vais entendre un amen. Il y a des éléments de la circonstance. Ils vivent par une circonstance parce qu'ils devaient vivre pour glorifier la semence, pour louer la semence, pour élever la semence. Ils ont été placés pour un but, pour un objectif. Et vous, qui êtes-vous? Tu sais, vous les reconnaîtrez par l'heure. Ça va? Toi, tu es qui? Lui là-bas, vous là-bas. Nous vivons au grand jour et la manifestation du Fils de Dieu. Madame Atipo, la manifestation des filles de Dieu. Est-ce que vous dites amen à cela? Dieu savait qui serait quoi, qui deviendrait quoi. Dieu ne surprit de rien. Dieu savait ce qui allait être. Nous avons des réponses avec la Bible. Même quand nous allons dans Joël 2, si je ne me trompe pas, si ce n'est pas 2, c'est 4, il dit, je vous remplacerai. Je restaurerai, dit l'Éternel, toutes les années que les sauterelles, les jalèques,
avait dévoré. Il dit, cette armée que j'avais envoyée contre vous, comment Dieu pouvait envoyer une armée pour nous détruire? Est-ce que tu dis amen? Dieu permet le vent, Dieu permet les épreuves, Dieu permet des choses pour que son nom soit glorifié, pour que les gens sachent de quoi il est. Dieu a permis la mort, mais de la mort il a envoyé son fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce que Dieu fait est parfait. L'homme se pose des questions, mais il faut rentrer dans la révélation pour comprendre le pourquoi. Est-ce que nous disons amen? Regardez. Je vais lire le prophète dans la prédication, le baptême du Saint-Esprit. 1958, septembre le 28, paragraphe 251, il dit. Qui était le premier? Comme j'ai souvent posé la question. Qui était le premier? Le sauveur ou le pécheur? Eh bien, si le sauveur était le premier et le sauveur est plus grand que le pécheur, comment le pécheur aurait-il pu exister? S'il n'avait pas été un pécheur, il ne l'aurait jamais connu comme son sauveur. Qui est le plus puissant? Le guérisseur ou le malade? Le guérisseur prend la maladie et la détruit. Qui est le premier? Dieu ou le cancer? Dieu ou la mort? Qui est le premier? Qui peut détruire la mort? Qui peut détruire le cancer? Et pourquoi il a permis? C'était une manière. Dieu devait se faire connaître. Comment tu allais savoir que Dieu est guéri? Comment tu allais savoir que Dieu sauve? Amen. Amen. Nous parlons les attributions de Dieu. Amen. Amen. Les attributions de Dieu ont existé en Dieu, mais il n'était pas encore Dieu. Il était éternel, mais il avait toutes ses attributions. Mais cela devait fonctionner. Les attributions de Dieu devaient fonctionner. Cela devait, n'est-ce pas, faire leur travail. Regardez mes frères. Dans Apocalypse 13, verset 8. Il dit, et l'agneau fut immolé. Quand? Avant la fondation du monde. L'agneau fut immolé. C'est Dieu dans sa pensée infinie. Comment il n'y avait pas encore un pécheur? Il n'y avait pas encore un homme qui était tombé dans le péché. Mais Dieu dans la pensée. Dieu avait déjà sacrifié un agneau. Je dis, lisez, prenez dans Apocalypse 13, 8, lisez-vous dans votre Bible. Il dit, et l'agneau fut immolé avant la fondation du monde. Frère Diponel, est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Il n'y avait pas encore un homme qui avait péché. Il n'y avait pas encore un Adam qui était tombé. Mais un agneau fut immolé avant la fondation du monde. Lisez dans votre Bible. Apocalypse 13, 8. Est-ce que vous dites amen à cela? Il connaissait la fin avant que la fin n'arrivât. Il connaissait la créature avant l'existence. Il connaissait chaque chose. Il savait ce qu'il faisait. Il n'est surpris de rien. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, tu dois sortir en toi. Tu dois entrer en Dieu. Parce que ce que tu es, tu ne le mérites pas. Mais Dieu a voulu, Dieu a fait. Dieu t'a fait, Dieu t'a placé. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux rentrer dans la révélation? Est-ce que tu peux voir l'infini de Dieu?
Les miséricordes de Dieu. La miséricorde comme les miséricordes. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous pouvez voir comment Dieu est fini? Son omniscience. Son omnipotente. C'est qu'il était. Si toi tu étais en lui et que tu as pris conscience, tu deviens un petit Dieu. C'est toi, Dieu t'a fait comme lui. Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand il était devenu Dieu, je dis bien, il était devenu Dieu. Plus tard, étant Dieu, il était Père, Fils, Saint-Esprit. Des grandes attributions. Et tout ça était dans la plus grande attribution qui était la pensée. Et bien après, sa première forme, la première forme de Dieu, esprit avait une forme. Il avait pris une première forme. C'est aussi un attribut. C'était la lumière. Est-ce que nous disons amen? De la pensée en parole, de la parole, c'est là qu'il créa ayant une forme. C'était la lumière qui donnait la vie, qui donnait la création, qui appelait chaque chose à l'existence, qui plaçait chaque chose à l'existence, qui plaçait le soleil, qui plaçait les eaux, qui plaçait les arbres. Avant qu'il ne soit question qu'un frère a péché, il était question. Un agneau avait été immolé dès avant la fondation du monde. Dans la pensée, ce n'était pas encore la matérialisation. Parce que Dieu voyait ce qui allait être. Dieu voyait ce que le monde allait être. Mais n'oubliez pas que Dieu plaça les libres arbitres dans Adam et Ève. Pour que chacun soit responsable de ses faits. Le oui et le non. Dieu plaça dans Adam et Ève. Faites ceci, ça ne fait pas. Si tu fais ça, tu vas mourir. Ce que tu vas choisir, ce que tu vas décider, c'est ce que tu vas recevoir. Et Dieu savait qu'il tomberait. Pourquoi? La nature de l'homme est contre l'homme. Les cinq sens sont contre toi. Et sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre. C'est pourquoi quand nous marchons dans les rues de Brazzaville, pensons d'aller prier. Pensons d'aller louer. Pensons d'aller glorifier. Parce que sans Dieu, personne ne peut vivre. Parce que la nature de l'homme est un échec. Dieu créa l'homme. Il savait que l'homme tomberait. L'arbre n'est pas tombé. Le soleil n'était pas tombé. L'oiseau n'était pas tombé. Mais l'homme, sa nature est contre lui-même. C'est-à-dire, vous devez naître. Mais qui doit naître de nouveau? Il y a des âmes qui sont nées pour aller au ciel. La nouvelle naissance est pour eux. Même si Jésus priait du matin au soir pour que Judas reçoive les sept étoiles, il n'allait pas recevoir. Parce que Judas était né par un but. Il devait contribuer à une malédiction. Les éléments des circonstances de la création de Dieu. Dieu a permis leur existence. Pour faire quoi? Pour faire louer son nom. Il y a des maladies qui sont pour la gloire de l'Éternel. Il y a des morts qui sont pour la gloire de l'Éternel. Est-ce que nous disons amen? Alors si vous priez, amen, ces personnes seront guéries pour la gloire de l'Éternel. Mais il y a des morts, tu peux prier, mais la personne ne reviendra jamais.
Ce n'était pas pour la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi dans la prière, il y a plusieurs étapes. Dans la prière, est-ce que je me fais comprendre? Il y a beaucoup de choses. Dans la prière, il y a des prières. Dieu voulait que cette personne naisse aveugle pour faire glorifier son nom. Et il est né aveugle, Bartimée. Mais si un autre est passé là, il n'allait pas le guérir. Mais si Jésus passait là, Bartimée recevrait sa guérison. Aucun miracle ne peut se faire si Dieu ne l'ordonne pas. Est-ce que nous disons amen? Tout est ordonné par Dieu. Et Dieu reste, n'est-ce pas, l'acteur de toutes choses. L'acteur principal. Est-ce que nous disons amen? Vous allez comprendre quelque chose. Oui. Regardez. Dieu, pour montrer sa puissance, pour montrer ce qu'il était, qu'il était un sauveur, a permis qu'un pécheur soit là. Les éléments. Amen. Amen. De la circonstance. Qui seront supprimés après le jugement. Dieu a permis leur existence pour se faire connaître. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, que s'il n'y a pas un faux billet, comment on saura que le vrai billet? Il fallait qu'il y ait la bonne doctrine. Et il fallait qu'il y ait aussi l'apparition de faux prophètes. Pour faire la distinction. Pour faire voir la vraie et la mauvaise chose. Dieu a permis l'existence de ces choses. Dieu pouvait éradiquer chaque faux prophète avant même son existence. Dieu pouvait éradiquer chaque faux enseignements avant même leur existence. Mais Dieu a permis les faux enseignements. Dieu a permis les faux prophètes. Dieu a permis l'existence de Lucifer. Dieu a créé Lucifer. Et Dieu savait ce qui était dans la pensée de Lucifer. Dieu savait qu'il allait détruire la créature. Mais Dieu l'y a créé. Dieu l'y a placé. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que nous disons amen? C'était les éléments de la circonstance de la création de Dieu. C'est à cause de ces éléments-là que l'Éternel est loué. C'est à cause de ces éléments-là que Dieu est élevé. Quand la mort est venue, alors il a donné un coup de marteau par la croix et la mort a été cassée. Est-ce que vous dites mal? Et là où je vous parle, le péché a été traité. Et quelque chose qui est traité ne peut plus nous tuer. Quelque chose qui est traité ne peut plus nous tuer. Est-ce que vous dites mal? Si vous avez la révélation que vous avez été traité quand Christ mourait à la croix, alors le péché ne peut pas nous tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous dites amen? Vous devez entrer dans la révélation et comprendre l'infini de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu. Je vous avais dit comment mon voisin qui était à 753, le pasteur, Dieu a tout bien créé, mais Dieu a échoué quand il a permis la mort. Dieu n'a pas échoué. Dieu était sauveur. S'il n'y avait pas la mort, comment allais-toi savoir qu'il pourrait sauver? Est-ce que nous disons amen? Comment allons-nous savoir que l'arbre qui est tombé par le vent peut encore revenir à la vie?
Il y avait une loi dans chaque semence. Il y avait la loi de la mort. Il y avait la loi de la vie. Cela devait exister. Mais seulement la mort a pris naissance à base de la perversion. Mais la perversion a été permise pour louer l'Éternel. Est-ce que nous disons amen? Mais après un temps, c'est là que nous parlons de l'opération de l'éradication de tout le mal. Parce qu'au ciel, il n'y aura plus de mariage. Il n'y aura plus question de ceci. Parce que dans l'éternité, il n'y aura plus les ténèbres. Mais les ténèbres ont été permis ici pour nous enseigner que la lumière existe. Mais dans cette cité-là, ça ne sera que jour. Ça ne sera que... Parce qu'il y a eu l'éradication de toutes ces masses qui étaient, n'est-ce pas? Contraire à la nature de Dieu. C'est là, est-ce que je me fais comprendre? J'ai dit contraire à la nature de Dieu. Dieu c'est le bien. Et Satan c'est le mal. Mais la course est d'éradiquer tout le mal. Mais Dieu a permis ces choses pour un temps. Afin que le monde sache comment son créateur était puissant. Sinon personne n'allait le connaître. Personne ne pouvait connaître Dieu. Sa grandeur. Sa puissance. Sa capacité. Sa valeur. Est-ce que tu dis amen? Regardez, mes frères, vous aimez cela? C'est très important. Amen. Amen. Toujours dans le baptême du Saint-Esprit, paragraphe 57. Comme je l'ai déjà dit, comment les anges chanteraient-ils l'histoire de la rédemption quand ils ne savent même pas ce que signifie la rédemption? Mais nous pouvons la chanter. Nous savons ce que c'est que d'être perdu, ce que c'est que d'être retrouvé. Mais les gens ne le savent pas. Parce que depuis qu'ils ont été créés dans ce stade-là, ils sont restés toujours comme ils ont été depuis la création. Mais l'homme, il y a eu des changements. Mais l'homme, il est passé dans beaucoup de déformations. Formation, déformation, réformation, restauration. Après, perfection. Est-ce que nous disons amen? Nous devenons le mieux informés par rapport aux autres créatures. Mais l'homme, c'est la créature la plus élevée. C'est pourquoi je vous ai dit, quand la science de Dieu avait atteint sa maturité, c'est là que Dieu créa l'homme. Et quand Dieu créa l'homme, Dieu avait mis terme à la création. Et l'homme, c'est que c'est qui il est. Il est en train, n'est-ce pas, de pouvoir représenter Dieu. Est-ce que tu dis amen? Si tu peux prendre conscience de ce que tu es, aucun démon ne peut jouer avec toi. Mais parce que tu as été créé un Dieu en miniature, un Dieu pour gérer la nature, tu as eu un royaume, tu as eu un espace. Tu as un domaine. Mais les autres n'en ont pas. Lucifer n'en avait pas. La haine est rentrée dans son cœur. Je dois aussi former mon royaume au-dessus. Je dois aussi faire ceci. Dieu les chassa. Il ne savait pas qu'il avait été créé pour un but. Les éléments de la circonstance de la création de Dieu. Alors tu dois écrire avec ta plume les éléments de la circonstance de la création de Dieu. Ils ont été placés pour un objectif. Et après un moment, ils n'existaient plus. L'église vous amène dans ce que vous étiez.
L'église ne change pas votre attitude. L'église, la parole manifeste ce qui est. Quand Jésus l'a prêché, alors la nature de Judas se manifesta. Alors le monde se demande, ah, mais le frère là, il va à l'église, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Non, l'église ne change personne. L'église fait manifester ce qui était en toi. Est-ce que tu dis amen? Judas est né Judas. Caïn est né Caïn. Esaou est né Esaou. Jacob est né Jacob. Les incrédules sont nés des incrédules. Les faux prophètes sont nés des faux prophètes. Les vrais prophètes sont nés des vrais prophètes. Les fils de Dieu sont nés des fils de Dieu. Oh, est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux monter? Alléluia! Est-ce que nous disons amen à cela? Retour à l'éternité. De la même manière que je suis venu du Père, je retourne. Parlons de la restauration. Dans ses attributs. Pendant que Dieu voyait leur perdition, Dieu voyait que ses attributs. Perdition, je vais aller trop loin pour parler de perdition. C'est-à-dire, c'était des âmes égarées. Pendant que Dieu voyait leur égarement, alors Dieu avait un plan pour ramener les brebis égarés. Les brebis perdus de la maison. Ils seront ramenés. C'est pourquoi vous allez lire. Comment Dieu peut envoyer une armée contre son peuple? Je restaurerai ce que les Gazans, Sauterel, les Jelek. Cette armée que j'avais envoyée contre vous. Qui sont châtiés, c'est le peuple de Dieu. Dieu envoie le vent. Dieu envoie les épreuves. Ce n'est pas que Dieu est contre vous. C'est le signe que Dieu est avec vous. Parce que vous n'êtes pas de ce monde. Notre royaume est à venir. Et tout ce que le Père fait est important pour nous les enfants. Parce que le Père voit le devant. Le Père prévoit l'avenir. Le Père a préparé l'avenir. Nous devons aimer tout ce que le Père fait. Aucun père ne peut vouloir donner de mauvaises choses à ses enfants. Il ne donnera que les bonnes choses. Dieu n'a donné que de bonnes choses. Mais vous devez être content parce que tout ce qu'il faisait, c'était pour notre bien. L'homme est, n'est-ce pas, limité. Dieu n'est pas limité. Dieu va au-delà de tes pensées. Dieu voit ce que tu ne peux pas voir. Là où ton petit raisonnement s'arrête, alors la pensée infinie de Dieu va sans fin. Il voit, il prévoit, il prépare, il arrange, il donne. Je suis venu du Père, je retourne au Père. La restauration. Nous retournons à ce que nous étions. C'est pourquoi, mes bien-aimés, rien ne t'empêchera. Si tu es une fille de Dieu, si tu es un fils de Dieu, et que ce que je prêche est la parole de Dieu, tu seras manifesté. Tu seras manifesté. Ce n'est même pas de la magie. C'est naturel. C'est ce que tu étais. C'est ce que tu seras. Est-ce que vous acclamez le roi de moi? Alléluia. Merci Seigneur. Prenez ceci. Comment apprécierons-nous le soleil s'il n'y avait pas de nuit? Comment apprécierons-nous un beau jour lumineux s'il n'y avait pas de jour nuagé? Comment apprécierons-nous le chaud soleil de l'été s'il n'y avait pas d'hiver? La loi du pour et du contre. Le papa dit, voilà que je commence à prêcher. Je dis, ce n'est pas là mon état. Je dis, la loi du pour et
du contre a été placé dans la nature, a été placé dans chaque créature pour les circonstances. Mais après cela, il y aura l'éradication des ténèbres, l'éradication de la nuit. Ça ne sera que jour, jour, il y aura l'éradication de faux. Ça ne sera que de vrai. Il y aura l'éradication de mal. Ça ne sera que le bien. C'est pourquoi dans ce monde, la mort y est. Dans ce monde, toutes ces choses y est. Mais après, ces choses n'existeront plus. Tu dois savoir là où tu vas. Jésus savait là où il partait. Dieu a permis les désastres. Il a permis des épreuves. Il a permis toutes ces choses. Puis lui-même passe pour restaurer les bonnes choses que nous avions perdues. Chacun retournera dans son état initial. Adam retournera dans son état initial. Avant la chute, Adam mangeait bien. Avant la chute, tout allait bien. Après la chute, il y a eu des grincements des dents. Maintenant, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la restauration a été accomplie par l'œuvre de la rédemption. Mais le Rédempteur, mais quand il est venu, si tu crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. Si tu crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. C'est pas si tu me donnes l'argent, c'est pas si tu me donnes la parcelle, c'est pas si tu me donnes la veste, mais si tu crois, il n'y a pas de condition, c'est seulement croire. Dire amen. Le reste, ce n'est pas toi. Alors ce que tu es, c'est pas toi, mais ton Dieu, le Créateur, l'Omni. L'omnipotent et l'incomparable et l'infini, il avait tout prévu, tout préparé. Est-ce que tu dis amen? Alors prends conscience. Tu montes maintenant. Tu dois partir maintenant. Comme une étoile filante. Rien ne va te bloquer le chemin. Est-ce que nous disons amen? Rien ne va nous bloquer le chemin. Même si Satan fait ouh, nous allons lui faire ouh. Est-ce que vous dites amen? Que le vent flotte. Qu'il y ait des brouillards. Qu'il y ait des nuages. Qu'il y ait des combats. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Avant que Satan m'attaque, quelqu'un m'avait déjà donné la victoire. Avant que Satan m'attaque, quelqu'un m'avait déjà donné la victoire. Son nom c'est il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Allez, recevez la gloire. Vous êtes des dieux de la terre. Recevez la gloire. Si quelqu'un a un problème, il est libéré. Est-ce que vous dites amen? Je suis venu du Père. Je retourne. Qu'il est ici. Tu crois que l'ange puissant est dans la salle? Est-ce que tu crois? Alléluia, le recevez la gloire. Les attributs de Dieu
manifesté, matérialisé. Maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. Maintenant, ta couleur doit sortir. Si tu étais rouge, alors devenez rouge. Si tu étais noir, devenez noir. C'est la loi du pour et du contre. Ça a été placé dans chaque créature. Est-ce que nous disons amen? Il n'y a pas de hasard. Les gens ne l'ont pas poissonné. Joël 2, 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé. Et les cuves regorgeront les mous et d'huile. Je vous remplacerai. Les années qu'on dévorait la souterraine, les Jérèques, les asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, allez, va te poser. Comment Dieu envoie une armée contre vous? Comment Dieu permet les désastres? Comment Dieu permet les épreuves dans ta vie? Comment Dieu permet les vagues, les orages, les nuages pour glorifier son nom? Comment Dieu a permis le vent pour secouer la barque? C'était pour faire voir la gloire de l'Éternel. Mais il fallait que les disciples puissent réveiller Jésus. Comment ils allaient savoir que l'homme qui était avec eux avait l'autonomie d'arrêter le vent? Comment ils allaient savoir? Il fallait que le vent flotte. Et va, arrête-toi! Il nous a été donné le même pouvoir. Alors ne dormez pas, mais réveillez-vous et que vous soyez là. Manifestez votre nature, ce que vous étiez dans la pensée de Dieu. Maintenant la parole de Dieu vous a révélé ce que vous êtes. Mais Dieu dit, je restaurerai, dit l'Éternel. Quelle parole dure! Le vent s'est mis à souffler. À quoi sert d'envoyer le vent si ces arbres vont réagir comme cela? J'ai regardé en bas et là en dessous, il y avait un petit tas de sous-bois. Et là, il dit, qu'on appelle dans le monde aujourd'hui des réfugiés. Mais ils étaient vertes et flexibles. Chaque fois que le vent soufflait dessus, ils oscillaient de part et d'autre, se battaient aussi fort que possible. Dit, gloire à Dieu, je restaurerai cette arme qui est tombée dans cette saison, dans la prochaine. Amen. Cette arme à la prochaine reviendra à la vie. Il va encore germer. Il va encore fleurir. Il va encore revenir à la vie. C'est la loi du pour et du contre. Est-ce que nous disons amen? Maintenant, retour à l'Éden sans péché. Retour à l'Éden sans péché. À la place du pécheur, Dieu a donné un agneau. Est-ce que tu dis amen? Comment on a traité le péché? À la place du pécheur, Dieu a donné un agneau. Adam avait le substitut. La loi, ils avaient les substituts. Ils avaient le sang des animaux. Mais on attendait ce véritable agneau. Est-ce que nous disons amen? Dans Apocalypse 13, 8, est-ce que vous dites amen? Ce véritable agneau qui était l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde, il serait venu pour traiter chaque pécheur. Mais pour que tes péchés soient ôtés, voilà la loi de Dieu. Voilà le principe. Croire Jésus. Confesser. Confessez, répentez, réparez, alors le sang
aura du pouvoir. Est-ce que vous dites Amen? Il est de votre devoir. Il est de notre devoir de confesser nos torts, de nous repentir, de demander pardon à Dieu quand nous avons mal fait. Cela n'est pas mauvais. Si le pasteur te dit, confesse tes péchés, répands-toi. C'est que le pasteur t'aime. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas de la haine de dire à quelqu'un, répands-toi. Non, non, c'est du bon sens pour ramener la personne à la communion avec Dieu, à une relation avec Dieu. Il exige la confession, la repentance. Est-ce que vous dites Amen? La réparation des œuvres mortes pour que le sang, pour que le traitement de tes péchés, amen, 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 sois effectué. Et dès que c'est effectué, alors rien ne peut te résister. Ce que tu vas demander, si cela est de la volonté de Dieu, il vous l'accorde. Parce que Dieu sait que quand nous demandons, il donne. Mais quand il voit qu'il y a le danger, il ne peut pas nous donner le danger. Tout ce que Dieu fait est parfait. Est-ce que nous disons Amen? C'est là que le poète dit, c'est quoi une bonne prière? C'est demander la volonté de Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Le poète dit, la volonté de Dieu, c'est pas le fait. Dis, quand vous voulez faire une affaire, tu vois des obstacles, tu dis non, donc Dieu ne veut pas. Non. Il dit c'est Satan qui combat la chose. C'est la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, Satan vient toujours à l'encontre pour s'opposer à cela. Mais si tu n'es pas spirituel, tu traiteras du diable. C'est pourquoi dans l'exposé des âges, le prophète dit, une véritable église de Dieu, c'est une église qui passe par des persécutions. C'est une église qui passe par des combats. Mais si une église commence aujourd'hui, aujourd'hui seulement, le pasteur roule V8. Aujourd'hui seulement, il construit à 4 étages. Il dit, c'est pas l'église de Dieu. C'est pas l'église de Dieu. Si l'église a commencé ainsi, l'homme le plus spirituel de l'âge, le ministère d'Élie, l'Élie de notre temps, il a dit que l'église là n'est pas l'église de Dieu. L'église doit commencer dans les néants. Ça doit commencer dans la brousse. Ça doit commencer sous la bâche. Ça doit commencer dans l'herbe. Et Dieu va élever cela. C'est ça la loi de Dieu dans chaque créature. La semence doit commencer au sol pour grandir. Mais si tu vois un arbre directement aujourd'hui, boum, les gens commencent à accueillir le fruit. Keba na bango. Attention. Keba na église wana. Attention avec cette église. Keba na église wana. Attention avec cette église. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas l'église de Dieu. Même s'ils citent le nom de Jésus, même s'ils lisent la Bible, le faux prophète lise aussi la Bible. Tout le monde lise aussi la Bible. Les antichrists prêchent aussi la Bible. Mais voyez, est-ce que cela est conforme au principe? Tout ce qu'elle était au commencement, elle reviendra. Je me demandais pourquoi donc Dieu envoie-t-il le vent. William Ramsey, je me demande pourquoi Dieu envoie-t-il le vent. C'est pour secouer les arbres. Chaque fois qu'un arbre est secoué, il dégage les racines.
et leur permet de s'enfoncer davantage. Mais si l'arbre n'est pas secoué, elle ne sera pas bien enracinée. Les épreuves de votre foi vous produira la patience. Est-ce que vous dites amen? Les épreuves de votre foi vous produira des vertus qui nous amènera à la perfection. Ne traitez pas du diable les choses que Dieu peut permettre dans votre vie. Il sait pourquoi il les permet, pour vous enraciner encore, pour vous affermir encore. Est-ce que tu dis alléluia? Est-ce que tu dis amen? Mon peuple meurt par manque. Mon peuple meurt par manque. Mon peuple meurt par manque. Mais un peuple averti, il devient prudent. Un peuple averti, il est préparé. Un peuple averti. Alléluia. Est-ce que cela rentre à l'intérieur de votre intérieur? Quand je dis à l'intérieur de votre intérieur, c'est percer le cœur et rentrer dans le cœur et dans un compartiment vide et dire alléluia au fond du cœur. Alors votre nature va se manifester. Ta couleur sortira. Si tu étais de la couleur blanche, tant mieux. Si tu étais de la couleur jaune, c'est ton problème. Si tu étais de la couleur noire, c'est ton problème. Si tu étais de la couleur rouge, c'est ton problème. Mais je veux que tu sois de la couleur blanche, de la justice de Dieu. Je suis venu du Père et je retourne au Père. Allez, sortez les raisonnements, sortez les crédulités, sortez les pensées humaines, rentrez dans la révélation. Dites amen à la parole de Dieu. Papa, oui. Satan a été déjà vaincu. Il ne peut plus te faire peur. Même s'il envoie un sac des épreuves, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Pour les enfants de Dieu, Dieu permet le désert. C'est la voie parfaite de Dieu. Dieu permet les circonstances. C'est la voie parfaite de Dieu. Ne vous détournez pas de Dieu à cause d'une preuve. Ne vous détournez pas de Dieu à cause d'une circonstance. Dieu a permis cela pour vous amener à beaucoup prier. Dieu a permis cela pour vous enfoncer encore, pour vous enraciner encore. Simon, témoin, oh Jésus, oh, apprends-moi à m'humilier, oh, 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 oh. Simon, témoin, oh Jésus, oh, apprends-moi à m'humilier, oh. C'est là que se trouve la grandeur. C'est pas dans l'arrogance. C'est pas dans l'orgueil. C'est pas dans le massacre. Mais l'humilité, c'est la gloire. Casse-toi. Casse tes épaules. Casse-toi. Un frère est venu me voir. Il a vu un frère. Ce frère l'a prené, je ne sais pas, la boisson ou son frère. Après, ses yeux sont devenus. Le frère est venu. Frère, alors la prière. Prière. Convoquez un frère dans la bureau. Prière. Oza Wapi. Tu es où? Oza Wapi. Tu es où? Oza Wapi. Tu es où? Répands-toi. Bongo la motema. Répands-toi. Bongo la motema. L'air a pris vert, voilà. T'as la mise sur les coups. Ses yeux sont devenus rouges. Voilà qui couleur à rouge, hein. Frère a séqué, c'est gagné. Il a dit qu'on a séqué la vie. Seigneur, tu as trop de problèmes. Osa ma cambobele. Prie. Ah, la ligne là, la benga frère, voilà. N'a bon, mais David a séqué. Amen. Prière. Façon frère, tu m'as beaucoup connu.
Tu étais de la couleur jaune. Vous avez une langue à Moussaka. Rouge. Toi, Motani. Dieu a des problèmes. Zamazama Kambo. Dieu a des problèmes. Zamazama Kambo. Frère. Ndeko. Kose Pelate. Ezama Wapona Amna. C'est pitié pour ton âme. Léla. Pleure. Répands-toi. Bongola Motema. Le fait seulement de dire. Kago le baga. Prière, prière. Mabondeli, mabondeli. Amen. Amen. Regrette. Nyonga. Les gens seront comme du chaume. Car le jour que l'Éternel prépare. Le jour que l'Éternel prépare, les gens passent. Qui vous a dit que l'Église change des gens? Il manifeste ce que vous êtes. Répands-toi. Bongo la motema. Dis Seigneur. Le bankolo. Qu'est-ce qui m'a poussé? Regrette-toi. Nyonga. Amen. Amen. Vous savez, mes frères. Oui, bandeko. Elle récupérera toute son ancienne gloire. Tout ce qu'elle était au commencement. Je dis bien le commencement avant le péché. Elle redeviendra. Je me demandais pourquoi donc Dieu envoie-t-il le vent. C'est pour secouer les arbres. Chaque fois qu'un arbre est secoué, il dégage les racines et leur permet de s'enfoncer davantage. Chaque fois que le Saint-Esprit descend sur l'église, dans un réveil à l'ancienne mode, il soulève les racines. Amen. Amen. J'ai entendu la nuit à Paris. Nous devons être contents. Quand un frère a organisé une campagne, la nuit à Paris, nous l'avons organisé la campagne. Les anges étaient à Paris. Les ailes sont là. La colonne de feu à Paris. Ça est là. Mais où est le monde qui était ici? C'est un jugement pour eux. Je croise un frère, il me dit, pasteur, moi si j'avais pris la photo de la colonne de feu, le jour de la campagne, j'ai dit, mais tu pries où? De dimanche, viens écouter la parole. Il dit, tozoyo kaka bande na se la tieme kuna. Tu ne vas changer personne. Il peut même voir Jésus qui était en Galilée marcher. Il y a des âmes qui sont nées pour la condamnation. Et nous les appelons les éléments de la circonstance de la création de Dieu. Est-ce que nous disons amen à cela? Chaque fois que le Saint-Esprit descend sur l'église, dans un réveil à l'ancienne mode, il soulève les racines. Comme ceci, d'une secousse. De telle manière qu'elles peuvent s'ancrer et se fixer au sol. Prêtes à affronter les tempêtes et les épreuves quand elles surgiront sur la terre. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça un chrétien. C'est celui qui est capable, pendant l'épreuve, de garder le nom de Jésus. De garder Dieu dans le cœur. Mais si l'épreuve arrive, oh, je vois que Dieu m'a abandonné. Tu ne sais pas que Dieu permet des choses et il fait ce qu'il veut pour votre bien. Qui est un chrétien? C'est celui qui est capable. Quand le vent flotte, il reste avec Jésus. Nalia, te. Je mange pas. Bakocho langai po na Yesu e. Bakofi ngai po na Yesu kaka. Loko mo po. Alléluia. Alléluia. Loco mo pona fresino. Ngala la pitele kaye. Alleluia. Nakobi la masia e. Alleluia. Loco mo pona Yesu e. Loco mo pona Yesu e. Loko muna Yesu e. Alleluia. Loko muna Yesu e. Alleluia.
Omo pona Yesu Loko mo pona Yesu Ngana la pitele kae Na kobi la masia Loko mo pona Yesu Loko mo pona Yesu Bakochola ngai pona Yesu kaka Bakofinga ngai pona Yesu Loko mo pona Yesu Loko mo pona Yesu La honte, la nudité pour Jésus, cela ne peut pas te faire reculer. Si tu te recules, c'est que tu n'étais pas en lui. C'est que toi, tu es un élément de circonstance. Le banaïe, osa élément de circonstance. Lucifer peut azala qui est élément de circonstance. Lissoumou peut azala qui est élément de circonstance. Malade peut azala qui est élément de circonstance. Mais au ciel, dans la vie éternelle, tous ces éléments ne seront plus. Amen. Amen. Voyez mes frères. Votre foi en Dieu, je commence à m'atterrir les 12 heures, amen, et vous laissez partir. Votre foi en Dieu dans les serviteurs de Dieu. La soumission entière à la parole du Seigneur fera demeurer en vous la divinité. Vous ne pouvez pas dans les dons et les appels sans s'en repentir. Et un homme n'est qu'un homme jusqu'à ce qu'il soit entièrement soumis à Dieu. Un homme n'est qu'un homme jusqu'à ce qu'il soit entièrement soumis à Dieu. Et alors la divinité, le Saint-Esprit demeure dans cette personne. La soumission, le respect à Dieu, la soumission à la parole de Dieu te donne droit à la bénédiction. Est-ce que nous disons amen? Et dans le doigt à quoi? Tu deviendras une demeure de Dieu. La divinité est sur la terre, mais dans les corps de chair. C'est ton corps que Dieu a besoin. Est-ce que nous disons amen? Dieu n'a pas besoin d'une bande magnétique, mais Dieu a besoin d'un corps pour utiliser les corps. Depuis le temps, Dieu est dans des corps. Je vais entendre un amen. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de l'homme, mais c'est Dieu dans cet homme qui accomplit l'œuvre. Jésus, quand il est venu, il était un homme né d'une naissance virginale. Sa mère était Marie. Son père était Jéhovah Dieu. Croyez-vous cela? Dieu a donc habité dans ce corps-là. Dieu était en Christ. Réconcilia le monde avec lui-même. Jésus a dit, ce n'est pas moi qui fais les jeux, c'est mon Père qui demeure en moi. Celui qui fait les jeux, qui était le Fils? La tribu de Dieu. Est-ce que nous disons amen? Qui était Jésus? La tribu de Dieu. Qui était en Jésus? Dieu. Elohim, Elohim, l'Éternel, Polo, dans son attribut. Est-ce que tu dis amen? La plénitude de la divinité corporelle, incarnée dans un corps. Il était apôtre, il était évangéliste, il était docteur, il était tous les cinq ministères. Frère David, il avait tous les dons, tous les neuf dons. Il était la source, producteur de dons. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il est venu chercher dans le corps du Fils? Le Fils aussi était un de ses attributs. Est-ce que vous nous disons amen?
Ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. C'était Dieu qui parlait au travers des lèvres humaines. Qui pouvait ressusciter les morts. Calmer les eaux et ainsi de suite. Ensuite, quand il est monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Un homme a reçu un grand don de guérison. Vous les connaissez? Dans la Bible. C'était Pierre. Et la Bible dit, ce grand don de guérison que Pierre avait reçu, rien que l'ombre de Pierre guérissait le malade. C'était la divinité dans un corps de chair. Pourquoi Dieu prend toujours les corps de chair? C'est la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui, l'homme ne peut pas écarter l'homme. C'est là que le prophète dit, la chose la plus difficile aujourd'hui, c'est de ramener un mortel à croire à un mortel. Si vous ne le pouvez pas, c'est fini pour vous. C'est la voie pourvue par Dieu. Le réveil est un homme. Est-ce que vous dites là-bas, un homme appelé de Dieu est un réveil. William Branham était le réveil de cet âge. Je vais entendre les amas. Et dans chaque assemblée, il faut qu'il y ait un homme de réveil. Le réveil est un homme. Un homme appelé de Dieu. Un homme dans le bras de l'Éternel. Quand il va, c'est pas lui, mais la divinité dans les corps de chair. Si à là où Dieu peut demeurer, c'est pas dans le mur. Si à là où Dieu peut demeurer, est-ce que nous disons amen? C'est pas dans l'espace. Mais si à là où Dieu peut demeurer, ici sur la terre, c'est dans les corps de chair. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu acclames le roi des rois? Est-ce que tu dis amen? Le temple du Saint-Esprit. Prenez la citation. C'est dans l'ange de l'Éternel. 1951, mois de mai, le 2, paragraphe 37. Il dit maintenant, alors que je prie pour les malades, j'aimerais que chacun de vous là, dans l'assistance, sache ceci, que le Saint-Esprit est juste sur cette assistance ce matin pour guérir n'importe qui est dans l'assistance. Eh bien, ceci peut être un peu différent de ce que vous avez vu chez les frères qui prient pour les malades. Différent. Je ne peux que faire selon ce que Dieu m'ordonne de faire. Je ne peux que dire ce qu'il me dit de faire. Et si je dis la vérité, alors Dieu témoignera que j'ai dit la vérité. Eh bien, voici ce que je redoute. Chers amis, ce que je redoute, puisque cela s'est passé jadis, cela aura à se passer ainsi. En effet, quand notre maître, il dit, quand Moïse est arrivé, beaucoup ont rejeté Moïse parce qu'il était un homme. Quand Jésus est arrivé, beaucoup d'entre eux ont rejeté Jésus parce qu'il était un homme. Ils ont dit, lui qui est un homme, il s'est fait égal à Dieu. Or, il était Dieu manifesté dans la chair. La plénitude de la divinité dans le corps. Est-ce que nous disons amen? Il n'y aura jamais quelqu'un comme Jésus. Est-ce que nous disons amen? Mais aujourd'hui, à l'arrivée du Saint-Esprit, cette plénitude s'est partagée. Chacun a reçu une dose du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais quand nous rassemblons les corps, les corps c'est l'église. L'église c'est les membres. Mais quand nous rassemblons les corps, l'oreille doit être à sa place. Voilà ce qui va tarder à l'enlèvement. Si l'oreille
où le pied n'est pas encore venu, le corps ne peut pas s'enlever. Parce qu'il connaît le nombre de membres du corps. Dès que tous les membres seront là, alors il y aura un enlèvement. Est-ce que nous disons amen? Mais comment vous voulez partir au moment où le pied n'est pas encore arrivé? Les cheveux ne sont pas encore arrivés. Il faut que chaque membre du corps soit à sa place. Allez chercher le Benjamin. Jusqu'à ce qu'il vienne ici. Avant que vous ne rentrez ici. Allez chercher le Benjamin. Ceux qui m'ont dit était, mon cocotte a vous n'allez pas rentrer ici. La parole doit prêcher jusqu'à attraper le dernier élu. Il connaissait les nombres. Il connaissait les nombres. Ces nombres-là, c'est ça qui forme l'être Chipra, l'éternel. Je vous ai dit, la loi de devenir, c'est que Dieu est devenu. La terre était informe et vide. Simplement, il y avait un chaos. Il n'y avait rien. Mais il est devenu le soleil. Le soleil était en lui. Dieu prononça la parole. Il y a le soleil. On a vu les rayons de lumière du soleil. Ça a tournoyé la terre. La parole du Créateur a commencé à placer. Mais ce que Dieu a appelé, c'était en lui. On ne peut donner que ce qu'on a. Cela était en lui. Si tu étais dans la pensée de Dieu, tu es né avec le miracle. Tu es né avec la puissance. Mais quand tu as écouté la parole t'a manifesté. Parce que ces choses étaient en toi. Je ne peux pas fabriquer quelque chose que je ne suis pas. Je dois y être un. Mais je ne dois pas fabriquer un. Vivez, restez, priez. Alors Dieu sait qui vous étiez. Et c'est ce que vous allez être. La parole de Dieu va manifester le vrai vous. Le vrai vous, c'est pas ce qu'on vous voit. C'est invisible. Il est à l'intérieur de toi. Il manifeste seulement les actes. Il manifeste seulement les actes. Mais il est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi mon frère, j'ai toujours dit, si tu étais une pensée qui était dans la pensée de Dieu, si tu étais quand Dieu créait, si tu étais une pensée positivement de Dieu, tu seras manifesté. Il n'y a rien qui sera obstacle. Parce que tu sors de l'éternité et tu retourneras à l'éternité. Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Adam n'est pas allé jeûner pour chercher Dieu. C'est là que le prophète dit, quelqu'un est venu me voir, que frère William Branham, j'ai cherché Dieu. J'ai beau chercher Dieu. Et arrêtez frère, il ne faut plus dire ça. Personne n'a jamais cherché Dieu. Même la parole dit, si le Père venir à moi, si le Père ne l'attire, personne n'a jamais cherché Dieu. Aucune fois, Dieu est venu. Adam est allé chercher Dieu. Mais quand Adam est perdu, Dieu est venu. Adam. 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 Tu te caches où? Tu es où, Adam? Adam. Oui. Mais tu es où? Je te cherche. Parce qu'il avait la nature de Dieu. Dieu ne pouvait pas perdre ce qui est en lui. C'est ça l'attribut. Ce qui est propre en vous. Votre parole, c'est votre attribut. Ce qui est propre en vous. Votre pensée, c'est votre attribut. Ce qui est en vous. Mais nous étions des attributs dans l'attribut de Dieu. Nous étions des attributs dans la pensée de Dieu. Mais quand Dieu créait, donc nous étions là. Mais nous n'étions pas encore manifestés. Mais la parole nous a révélé, nous a donné notre position.
nous ne pouvons plus vivre comme hier. Non, nous devons vivre comme aujourd'hui. Après que nous avions reçu la révélation, où les plaintes doivent disparaître, nous devons prendre le bâton de commandement parce que la restauration a été faite. Dieu nous a ramenés à l'Éden. Commandant et invité avant la chute, ils avaient la préminence sur chaque chose qui est dans la nature. Ils pouvaient appeler le petit poisson. Ils pouvaient dire arbre. Les racines, place-toi ici. Dieu nous a restaurés. Si cela plaît à Dieu, si tu demanderas, il doit te donner. Est-ce que nous disons amen? Est-ce que vous croyez à cela? Dieu est devenu toi, le soleil, l'arbre. Mais dans toutes ces créatures, l'homme est resté la seule créature qui était à la ressemblance et à l'image de Dieu. Quoique l'arbre était en lui, les eaux étaient en lui, les animaux étaient en lui, tous les êtres étaient en lui. Mais il y a une créature, un être vivant que nous appelons l'homme. Cette seule est être qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La preuve en est que Dieu a donné à l'homme un domaine. Dieu a donné à l'homme un royaume. Dieu a donné à l'homme une juridiction. Dieu a donné à l'homme, est-ce que vous dites amen, son patrimoine. Dieu a donné à l'homme la terre. Dieu a donné à l'homme l'or, l'argent, le pétrole, le poisson, les arbres. Tu as donné à l'homme. Les anges n'ont pas ces choses là. Est-ce que vous dites amen? Louons l'Éternel. Ce qu'il a fait pour nous est merveilleux. Ce qu'il a fait pour nous est grand. Louons l'Éternel. Élevons son nom parce qu'il est bon. Sa miséricorde dira toujours. Son amour dira toujours. Son amour dira toujours. Satan, tu ne pourras pas. Satan, tu ne pourras pas. Pour que Satan arrive à ta voix, il faut qu'il arrive à voir Jésus. Mais comme Satan ne peut pas vaincre Jésus, tous ceux qui sont en Christ, ils sont plus que vainqueurs. L'obanaye, avant au Bounisangai, Bounisana nous Jésus. Ce qui est coquillé, Yaka Kobounisanga. Ce qui est coquillé était, alors tais-toi. Ce qui est coquillé était, alors tais-toi. Ce qui est coquillé était, alors tais-toi. 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 Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Si tu as un problème, recevez cela. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous aimez l'Éternel? Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est ici? Si tu étais venu malade, soyez guéri. Nom de Jésus. Si tu avais un problème, soyez libéré. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Si tu as besoin du salut, reçois le salut. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. L'ange est ici pour libérer les captifs, pour donner la guérison, pour donner la paix, pour donner la joie. Dieu, je suis l'Éternel. C'est lui qui guérit, c'est pas le pasteur Paul. C'est lui qui agit, c'est pas le pasteur Paul, mais le Dieu du pasteur, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. Là où est la parole, c'est là où il sera là. Si ce que je vous dis est la vérité, alors il doit accompagner, il doit vous donner. Allez, recevez le Saint-Esprit. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez remplis au nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Satan, tu as été vaincu. Satan, tu as été vaincu.
Chantez, je m'achève là. Chantez maintenant. Je laisse le temps à Dieu de faire quelque chose. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Le grand médecin. Soyez dans l'esprit. Tu veux rentrer dans les sphères, dans les dimensions. Le grand médecin, c'est maintenant. Le temps va descendre. Le temps, le cœur brisé. Le temps, la voix légère. Allez-en et chante plus doux. Quand j'ai retrouvé mes saluts.
de gloire. Thank you.
Jésus notre Dieu. Je leur ai dit la vérité. Je leur ai promis, Seigneur, de prier. Je sais que tu as guéri les gens. Je sais que, Père, tu es ici. Je t'ai vu dans la salle. Seigneur Jésus, tu vois leur cœur. Tu vois leur vie. Plus que moi, je les recommande encore entre tes mains. J'ordonne au nom du Seigneur Jésus. Peu importe ta situation, tu n'as pas arrivé à exprimer cela. Que Dieu te libère. Au nom du Seigneur Jésus. Ton échec a été condamné à la croix. J'implore miséricorde. Seigneur, donne-leur ce qu'ils ont besoin. Tu vois leur cœur, Seigneur. Tu vois leur vie, Seigneur. Je te prie de leur délivrer. De leur donner ce qu'ils ont besoin. J'ordonne au nom du Seigneur Jésus. Démons de doute, démons d'incrédulité, ombre de la mort, toute puissance qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus. Peu importe là où tu es, les autels du diable dans votre vie, là où Satan prend place dans ta vie, envoûtement, toute puissance de l'ennemi, peu importe sa forme, peu importe ce qu'il est, j'ordonne au nom du Seigneur Jésus qu'il libère votre vie. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. S'il y a quelqu'un ici qui a un mal, qui a un problème, qui ne trouve pas de solution. S'il y a quelqu'un ici qui a besoin de l'aide de Dieu. Seigneur, tu vois les besoins dans leur vie. Je te prie de leur accorder la solution. Au nom du Seigneur Jésus. Royaume de Satan, quittez leur vie. Quittez. Quittez leur corps. Allez aux endroits arides. Au nom du Seigneur Jésus. Toute puissance qui ne loue pas le nom du Seigneur. Qui libère votre vie. Qui l'est aux endroits arides. Que ceux qui croient reçoivent la main de Dieu. Que ceux qui croient voient la main de Dieu. Que ceux qui croient voient la solution à leurs problèmes. Que ceux qui croient disent amen à cela. Au nom du Seigneur Jésus, principauté des ténèbres, le pouvoir nous a été légué de donner les ordres à Satan, de les chasser du milieu de nous. Libère la vie de ma sœur. Libère la vie de mon frère. Au nom du Seigneur Jésus, toute puissance du diable, toute malédiction qui t'a été prononcée par les parents, par ta famille, par quelqu'un, j'enlève cela. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta présence. Allez, sortez! Libérez leur vie! Libérez! Allez aux endroits arides! Allez aux endroits arides! Demandez l'iniquité! Sortez du milieu de nous! Faut aux endroits arides, merci Seigneur! Faut aux endroits arides! Hommes de la mort! Quittez la salle! Allez aux endroits arides! Au nom du Seigneur Jésus! Demandez doute! Allez aux endroits arides. J'ai dit la présence est ici. L'ange est déjà ici. Merci Seigneur Jésus. Recevez la gloire. Recevez la joie du salut. Recevez la présence. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la présence. Soyez sauvés. Soyez pardonnés. Soyez délivrés. Soyez guéris. Au nom de Jésus. Il est là. Merci Seigneur. Satan, tu as été déjà vaincu. Alléluia. Satan, libérez la salle. Demandez manque de vie de prière. Demandez la faiblesse dans la vie de prière. Quittez leur vie. Quittez l'assemblée. Allez aux endroits arides. Aucun démon ne peut résister. Devant le nom du Seigneur Jésus, tout envoûtement, toute possession, tout démon têtu, là où tu es incarné, par l'autorité de la parole et du nom de Jésus, il est écrit, au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Quittez, 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 quittez. Sortez. Allez à toi, la ride. Nom de Jésus, il est là. Alléluia. Il est ici. Va à toi, la ride.
Vos endolorides, recevez la gloire. Recevez la joie du Saint-Esprit. Recevez la présence du Saint-Esprit. Recevez la bénédiction du Saint-Esprit. Recevez la bénédiction du Saint-Esprit. Soyez pardonnés. Soyez remplis. Soyez guéris. Soyez délivrés. Soyez remplis. Il est écrit en mon nom, ils chasseront les démons. Ils guérisseront les malades. Satan sort. Libérez leur vie. Allez à toi la ride. Quittez. Allez au nom de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de la joie du salut. La présence est ici. Il est dans la salle. Toujours présent. Toujours présent. La gloire de la Shekinah. La gloire de la Shekinah. Qui a la gloire de la Shekinah. Qui avait bourgeonné le bâton d'Aaron. Qui avait bourgeonné le bâton d'Aaron. La gloire de la Shekinah. Qui était dans le manteau d'Élie. Alors je frappe cela sur vous. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance du manteau d'Élie. La puissance du Saint-Esprit. Que cela vienne dans votre vie. Que cela puisse vous remplir. Que cela puisse vous remplir. Il m'avait oint. Il m'avait envoyé. Il m'avait choisi pour annoncer sa parole. Pour délivrer les captifs. Si vous êtes là, soyez libérés. Soyez délivrés. Soyez remplis. Soyez délivrés. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Il est ici. Le même Dieu qui a marché avec William Branham. Il marche avec moi. Il est toujours présent. Il est maintenant là. Les anges sont là. Merci pour chaque réunion. Ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents. Même si ton problème était comment, je te libère au nom de Jésus. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Recevez la joie du Saint-Esprit. Recevez le salut de l'âme. Recevez la guérison de votre corps. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. La présence est ici. Recevez cela au nom de Jésus. Que ton dossier, que ton problème qui n'a pas de solution soit résolu. Que ta requête qui a introduit soit résolue. Nom de Jésus. Nom du Seigneur Jésus. Nom du Seigneur Jésus. Seigneur, prouve l'air que tu es ici. Prouve l'air que tu es ici. Seigneur, prouve l'air que tu es ici. Prouve l'air que tu es ici, Jésus. Seigneur, prouve l'air que tu es ici. Prouve l'air que tu es ici. Seigneur, prouve l'air que tu es ici. Recevez le vent de la Pentecôte. Recevez la joie du salut. Recevez la paix du cœur. Recevez la joie du salut. Recevez la paix du cœur. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez les dons du Saint-Esprit. Recevez la présence de Dieu. Soyez sauvés. Soyez libérés. Soyez dégagés. Recevez la foi. Recevez la persévérance. Recevez la patience. Recevez la bonté de Dieu. Recevez l'amour divin. Recevez la joie du salut. Recevez cela au nom de Jésus. Il est ici. Merci Seigneur. Même chez les frères, même si les enfants au balcon, j'implore ta main Seigneur. Envoie les rayons de ta joie. Envoie les rayons du Saint-Esprit. Que cela puisse illuminer la salle. Que la malédiction quitte notre assemblée. Que le péché quitte notre assemblée. Que la souillure quitte notre assemblée. Que l'échec quitte notre assemblée. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Satan, rien de nous. Satan, rien de nous. Allez, soyez remplis, soyez remplis. Recevez la joie du salut. Recevez le salut de l'âme. Recevez la paix du cœur. Recevez la joie du salut. Recevez la présence de Dieu. Démons des sirènes, sortez. Démons têtus, sortez. Marie de nuit, sortez. Toute puissance du diable, sortez. Tout envoûtement, sortez.
Allez, on s'endroit d'aride. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Ceux qui croient puissent voir la gloire de l'Éternel. Ceux qui croient puissent voir le feu divin. Puissent voir la colonne de feu. Ceux qui croient puissent voir les anges. Ceux qui croient que leurs yeux s'ouvrent. Loue de Jésus. Et que vos yeux s'ouvrent. Et que vos yeux s'ouvrent. Commencez à voir. Commencez à voir. Commencez à voir. Si Dieu m'avait envoyé, j'ai dit commencez à voir. Commencez à voir. Seigneur, ouvre leurs yeux. Loue de Jésus. Il est là. 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 La piscine de Bethsaïda. L'ange qui était à la piscine vient agiter par l'ordre du Saint-Esprit. Vient agiter encore la salle. Viens remplir encore la salle. Allez, commencez à voir. Commencez à voir. Commencez à voir. Commencez à voir. Vous dites. Il m'avait ouvert. Il m'avait ordonné. Il m'avait envoyé. Il marche avec moi. Il est dans la salle. Les anges sont dans la salle. Parle seulement. Parle, appelle ta solution. Appelle ta solution. Appelle ta solution dans ta bouche. Et reçois la résolution. Peu importe ton dossier. Réclame la solution. J'ai dit, il est ici. Le Saint-Esprit, l'ange puissant, la colonne de feu, il est dans la salle. En train de oindre. Il est Jésus qui m'a sauvé. Hey! Ah, il est le Dieu qui m'a aimé. Il est le Dieu du temps présent. Oh, il est le Dieu qui est ici. Il est le Dieu qui est ici. Oh, dans sa parole. Hey! Alléluia. Alors recevez la gloire. La gloire du Saint-Esprit. Il est Jésus qui m'a aimé. Il est le Dieu qui m'a aimé. Oh, il est Jésus qui m'a sauvé. Il est le Dieu qui m'a sauvé. Oh, dans son amour. Il m'a sauvé. Hey! Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, hey! Gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à son nom. Oh, la parole de Dieu puissant. Il est le sauveur tout puissant. Alléluia. Oh, alléluia. Hey! Oh, gloire à son nom. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, oh gloire à son nom. Il est le Dieu qui m'a aimé. Il est le Dieu qui m'a choisi. Oh, il est le Dieu qui m'a guéri. Il est le Dieu qui m'a guéri. Oh, il est le Dieu qui m'a béni. Oh, dans son amour. Il est le Dieu qui m'a élevé.
Dieu qui m'a rempli, le Dieu qui m'a choisi, oh, dans son amour, oh, oh, alléluia. Seigneur des seigneurs, nous savons, Père éternel, mon Dieu, tu viens, Père, d'accomplir, Seigneur, tes écritures, Seigneur. Tu as dit, Père, là où cette parole est prêchée, en vérité, les signes
Et les miracles seront accomplis. Oh, Père éternel, je sais encore, Père, tu as exaucé, Seigneur, les requêtes de chacun, Seigneur. Oh, mon Dieu, mais ce que nous te demandons, Père, nous te remercions, Seigneur. Surtout, Père, ce que tu viens de faire. Seigneur Jésus, oh, Père, tu es avec nous et que nous sommes à la fin. Laisse que tu puisses nous accompagner, Père. Oh, Seigneur, bénis les offrandes et les dîmes, toute personne, Père. Oh, Seigneur, qui va, Père, donner quelque chose, Seigneur. Pourvois, Père, à ceux qui ont manqué. Seigneur Jésus, laisse, Père, si tu tardes encore à venir, et que toi, Jésus, tu puisses être toujours avec nous. Oh, Père éternel, par le pouvoir, Seigneur, et l'autorité que tu nous as donné, Père, nous mettons à tout état de nuit, tout esprit, qu'il est le patron, non, tout projet de l'ennemi, que cela soit neutralisé, détruit, au nom puissant qui est ton nom, Jésus-Christ, nous l'avons demandé de prier. Amen.